Allez, pour la dernière finale B Elite du championnat de France en 8e Brochelès, organisé par le club de Ligue 1. Alors, en 1, là on retrouve quelques pilotes qui normalement sont souvent en finale 1, comme Célian Rousset, Kevin Michelet, aussi des anciens champions de France Nitro, hein, je crois qu'il y a Léo 41 notamment. Regardez, après le départ, hein, Kevin Michelet, non c'est pas Kevin Michelet, Jadine Dupuis, c'est Célian qui est en tête, donc avec sa carrosserie blanche, c'est le roi de la carrosserie. Alors là, il va peut-être avoir de la bagarre, c'est bien serré un peu là. Là, il y a de la bagarre, là. C'est Florentin, c'est la tour jaune, hein, si je ne me trompe pas, et juste derrière, ça va être Kevin Michelet. Là, on vit la de la lutte, là, ça peut être sympa. Alors, si je dis pas de bêtises, on a devant, hop, je vais faire. On a Hot Bodies. En deuxième, je pense que c'est un Lozi. Et en troisième, on a un Hot Body aussi. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis. Il faut pas dire Hot Body, il faut dire HB, c'est pas pareil. Non, c'est pas. Ouais, ouais. Alors, comme il insistait, je lui dis, il y a peut-être. Allez, c'est bien là. C'est bien qu'il y a eu dans les finales précédentes. Un gros coup là-bas après la deuxième journée. Attention, après la deuxième journée. On va voir là, il semble dominer cette finale, mais les autres sont juste derrière. Est-ce qu'il va résister à la pression? En plus, le pire, c'est plutôt mieux. Hein. Voilà, ça a été. Il y a eu du rapproché là. Ils sont vraiment prêts. Allez les gars, ils commencent à les prendre. Oh là là là, oh là là, Corentin, voilà, c'est passé. Et du coup, il va se faire doubler aussi par Queville. Là, ils sont tous à tout. Ah, on se met pas trop de conséquences. Ça, c'est bon, ça, quand, quand c'est serré. Comme disait mon tonton. J'ai l'impression que j'ai dit une bêtise qui peut être interprétée autrement. Allez, Corentin en tête. Kevin Michelet. Et toujours Corentin, Célian. En espérant que les gars tirent les roues. Corentin, ouais, il va vraiment bien, ça va être compliqué. Oh, c'est juste hein, pour ces gens-là, ça a tapé sur la bosse. La Kevin a pris une toute petite longueur de retard, même ouais, une grosse, il a dû faire une tête qu'on n'a pas eu. Et là par contre il est loin, hein, il a pris un petit peu de retard.
Donc on va dire que Quentin il prend de l'avance. Donc, tout ça c'est des pilotes hein, qui pouvaient aller en haut. Ils sont vus à part en chose, le fait aussi qu'il y a eu 3 qualifs, hein, il y a 4 qualifs. Il est vraiment bien, ça n'a pas de problème. Il est bien, là, quand il ne fait pas trop. J'ai pas le classement en tête des manches précédentes hein, pour voir qui va remporter au final cette finale 2. Alors à signaler que le club, je crois, il récompense toutes les finales. Donc ça, c'est plutôt bien. J'ai vu qu'il y avait plein de trophées. Et ça change, des fois, j'avais vu des clubs où il y avait 3 malheureux trophées, hein, les 3 premiers de la finale 1. Ça faisait bizarre, hein, parce qu'on était habitué en cette catégorie à avoir un peu. Beaucoup de gens récompensés, mais là, à Vivien, c'est pas la même chose. Il a fait un vibrant, il a volé. Il y a un petit rapproché de Seignan. Il fait le forcing. Hein. Là, en plus, il commence à rattraper des retardateurs. Alors, c'est là qu'on peut être un petit peu gêné. On ouvre la porte, on passe. Voilà, là, ils ont bien joué le jeu, ils ont bien ouvert. Ah, c'est bien, là, il a fait une petite touche, un petit touche. Ah. Allez, on reprend, il y a une petite patte au dessous parce que la carte est pleine. La carte de la caméra. J'ai tellement filmé que ça a été blindé. Ça a pensé que ça m'arrive. Et entre temps, il y a une petite coupure de 40 secondes. Et entre temps, ben, c'est bien, il est passé. Ah, là, ils se sont touchés. Voilà. Donc c'est bien, il a passé Corentin, donc on a raté ça. Et ouais, maintenant, ils ont inversé les rôles, mais il a failli faire l'intérieur là. On voit, il y a une petite touchette alors, mais ça a été correct, hein, parce qu'ils sont laissés, ils sont attendus. Ouais, je peux vous dire, pour le pilote qui est devant là, ça met un peu de tension. Hein. Donc, il fait vraiment les cordes. À Corentin là, il fait vraiment les intérieurs, il fait vraiment très bien. Alors, je vous avoue que je connais un peu moins. C'est bien, par contre, c'était un habitué, hein, il a souvent fait du grossesse, hein, avec son père. Ah, il a failli lui faire l'intérieur là aussi, regardez, à chaque fois il arrive. Le dernier moment, c'est bien, il ferme la porte. Ça, c'est normal. Hein. Et ah, l'arrière-lui, là aussi, hein, à chaque fois qu'il prend un peu plus large, c'est bien. Ouais, il va s'incruster devant. Et je vais, ça va jouer sur peut-être une faute. Voilà, ça, c'est une belle finale. Ça. C'est dommage que Kelly n'est plus là, parce qu'ils auraient été à 3, ça aurait été encore plus sympa. Oui, là il allait le doubler, il arrive au même niveau et il a fait une petite faute. Il a peut-être déstabilisé. Et là je regarde, ben là il reste 36 secondes, il faut vraiment que ce soit là. Hein. Là ça va être compliqué. Ah et en plus il fait une grosse faute, on a vu là, la voiture qui part en tonneau. C'était Corentin, donc voilà, pour Seignan, alors là je pense que c'est, s'il ne fait pas de bêtises, c'est une belle victoire parce qu'il a bien tenu la pression. Voilà. Est-ce qu'il a fini? Est-ce qu'il a fini? Alors il n'a pas fini, je crois qu'il est reparti pour un tour. Attention quand tu repars, la voiture verte et rose. Donc il a encore un tour à faire, hein. Il a dû passer juste. Et là il faut qu'il assure. Donc il assure parce que là il a plus de la distance. Et puis il y a le mollo parce que s'il fait une gamelle là, par contre il peut se faire avoir.
Et là, il va pas. Ah, d'accord, mais j'avais dit. Hop, c'est bon. Oh là là, c'est chaud, quoi. C'est chaud, et là, la ligne d'arrivée, elle est là. Hop, top. Il a passé la ligne d'arrivée, c'est bon. C'est une victoire pour Seignan, hein. C'est une belle victoire. Parce que ils ont fait spectacle. Alors, on peut féliciter Seignan, on peut féliciter Corentin aussi. Et bien, il sort tous les autres pilotes, hein, qui étaient présents. Allez, maintenant, on va couper la vidéo pour préparer. On va vous faire la dernière vidéo de la finale A.